Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. Yeah. Alors, si vous êtes tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn! Yeah! C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez vous, chez nous! C'est vrai, chez vous, parce que vous êtes chez vous également. Si vous êtes chaud, sautez donc! Parce que chez nous, ils sont toujours chauds! Let's go! Yeah! Woo! Mystère! Aujourd'hui, nous nous attaquons tout simplement au mystère 4 sur 30. Wow! Ça veut dire que le mystère 3 a déjà été résolu hier. Vous pouvez tout simplement aller regarder la vidéo sur Nyanx Reborn. Yeah! Mes frères et sœurs, de quoi il s'agit aussi dans ce mystère nouveau, ce mystère 4 d'aujourd'hui? Nous allons tout vous dire et vous allez nous dire à la fin, dans la partie commentaire, ce que vous en pensez. Ça nous intéresse, soyez prêts. Et si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer j'aime sur cette vidéo. Ok, c'est parti. C'est l'histoire de quelque chose de vraiment grave, de bizarre qui s'est passé dans un pays non loin de l'Allemagne. Voilà, si c'est, je suis vraiment précis. Que s'est-il passé? Mes frères et sœurs, un jour, un homme, il allait au travail. Bon, il vaquait à ses occupations. Un beau matin, il se lève le matin et il jette un coup d'œil sur le mur du quartier, sur le mur qu'il a toujours l'habitude de regarder. Il ne prête même pas son attention là-dessus. C'est un mur comme tous les autres, donc il ne perd pas le temps là-dessus. Mais ce jour-là, quand il est passé, il a été attiré par quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que c'est? C'est une image. Une image bizarre qui ressemble à un Jésus-Christ qu'il a vu. Sur quoi? Sur le mur. Hein? Jésus sur le mur ici. Mais que fait-il ici? Que fait-il ici? Et il s'est mis tout simplement à bien contempler, à bien regarder le mur pour pouvoir voir ce qui se passe là. Et au fur et à mesure qu'il regardait, l'image apparaissait et le fixait. Du coup, il a appelé tous ceux qui étaient autour de lui et il y a un monde fou qui s'est positionné là, à ce carrefour là, et il regardait aussi le mur. Hein? Mes frères et sœurs, même si c'était vous, vous allez vous arrêter pour regarder un peu, n'est-ce pas? Et ils se regardaient tous le mur. Certains même disaient que, franchement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut nous montrer sa présence là, au travers de cette image. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur pays, le Japon, beaucoup de pays qui sont même venus jusqu'à là, rien que pour voir cette image mystérieuse. Ils ont appelé tout simplement cette histoire. Ils ont dit un nom bizarre là-bas. Vous allez voir dans les titres. Mais ça tournait autour de Jésus-Christ apparu sur un mur. Quoi? Jésus apparu sur un mur. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, va-t-il apparaître sur un mur, sachant que son père lui-même là,
Il a déconseillé aux gens, même interdit à ses enfants de faire des représentations des images qui se trouvent dans le ciel et sur la terre. Est-ce le vrai Jésus? Ça m'étonnerait. Pour moi, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas dire qu'il ne veut pas voir des icônes, qu'il ne veut pas voir des représentations, il ne veut pas se faire adorer au travers des images et en même temps faire des images de son fils. Ou bien son fils a fait un truc dans ce secret contre lui. Non, 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 ça m'étonnerait. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce que se trouve dans le Père se trouve également en lui. Ça veut dire que le Père et lui forment une seule personne. Vous comprenez? Oui, il a tout de son Père en lui. Ça veut dire que tout ce que son Père a dit dans la parole de Dieu, effectivement, lui, il approuve cela. Même quand il est venu sur la terre, il a confirmé cela. Donc, ce n'est pas lui qui est derrière cette image, c'est tout sauf Jésus-Christ. Ok, bon, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est derrière cette image, qui est donc là? C'est qui donc? Attends, nettoyez bien vos yeux, regardez bien cette image, regardez bien. Qui est donc là? Qui est donc sur le mur? De quel Jésus-Christ s'agit-il? Mes frères et sœurs, ce n'est pas Jésus. Vous vous trompez. Et il y a plein de personnes qui sont allées là-bas et qui disent que quand ils ont regardé cette image, ils ont reçu des miracles. Comment quand tu as regardé une image, tu as reçu un miracle? Mes frères et sœurs, c'est un démon. C'est un démon. C'est le diable qui est derrière tout ça. C'est le diable qui est en train de faire créer de telles histoires pour manipuler les humains, pour amener les humains à désobéir à Dieu. Oui. Dieu n'a pas besoin des images pour se représenter. Même le vent qui te souffle là, si ça n'est pas suffisant pour toi pour te prouver que Dieu existe, même toi-même, le fait que tu sois en vie là, et que tu sois beau comme ça le matin là, si ce n'est pas largement suffisant pour te montrer que Dieu existe, il est réel, que tu dois l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est pas la peine. Ah! Évitez de vous prosterner devant des images, devant les statues, devant des symboles, c'est interdit. Dieu n'est pas derrière tout ça. Ce sont les démons qui font ça. Et c'est le diable, en un mot, qui est derrière cette histoire. Attention, attention. J'espère que le mystère est maintenant résolu. Et nous allons passer maintenant au prochain mystère, qui sera le mystère 5 sur 30. Soyez prêts, soyez chauds. C'était chic, c'était intéressant, n'est-ce pas? Oui, c'était intéressant. Laissez un j'aime. Et préparez-vous au prochain mystère. Franchement, ça va être extraordinaire. Là, maintenant, nous nous rendons sur notre deuxième chaîne. Bon, notre troisième chaîne YouTube. Nyans Reborn 3. Soyez prêts. Nous allons parler de quelque chose d'intéressant. Allez regarder ce qui va se passer là-bas tout de suite. Let's go!